Hey, bonjour tout le monde, c'est les Chitamen. Salut à tous. Allez, on se retrouve donc pour la deuxième session de... avec l'arbalète en plus, c'est pas mal. La deuxième session de cette weekly 18 de la saison 3 sur Tomb Raider sur PlayStation 3, bien sûr. Comme toujours, ça change pas. Et la inédite. La semaine prochaine, on rappelle, ce sera sur PC, ce sera Battlefield 3 Endgame, le nouveau DLC disponible. Oh, tu rages, je cours. Tu rages, hein. Toi, tu veux tu rages, je sais courir. Comment tu fais? Bon. Ok. Et voilà. Et voilà, toute une vie de labeur pour toi. Donc on a dit, première session, MME, match à mort par équipe, only arc ou arbalète. Et du coup, comme il y a des plombs en face qui sont niveau 5 ou 3, ils n'ont pas débloqué l'arc, donc ils vont faire ce qu'ils peuvent avec le piolet, parce que je leur ai interdit les armes, je suis un, évidemment, un dictateur pervers et sadique. Là, allez, vas-y, Tristan, flingue-le. Voilà, headshot, Spider-Tuff qui t'a rock sort du pôle. Voilà, comme quoi chacun se vise là, et c'est incroyable. C'est pour ça que je voulais une session à l'arc, parce que je trouve que l'arc il procure des sensations assez intéressantes. Oh, moi je triche, j'ai l'arbalète. Et si bon, tout le monde a l'arc, mais je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, avec ta tenue là du père, Ezio, hein, du père M, avec ton arbalète, c'est pas mal. Non, moi il y a peut-être Spider-Tuff qui campe encore, regarde. Tu vois, peut-être faire un débat flingué, je pense. Zoom, boum. Ah, what? Eh mais petit là, fuck the hey, shit. T'es mort à gauche, y'a un mec qui vise. Y'a un mec à gauche, le matin j'étais en train de viser. Et ça l'a pas tué en one shot. Alors qu'une arbalète c'est extrêmement puissant. Prends la classe, fais classe 1 là. Classe 1. Classe 1, voilà, allez. T'as l'arc, les flèches en le feu, vrai, le magri, t'as l'arc, allez. Allez, comment c'est trop bien ce jeu quand tu fais qu'avec de l'arc. Ah, c'est génial. Est-ce que tu vas battre mon... Ouf, t'es pris dans la tête, non, mon record de 13 frags à la frappe. Moi j'ai pas joué donc... T'as jamais joué. L3, R3, L3 pour se mettre accroupi, L3 pour zoomer. Moi j'ai dans le feu, moi. Moi je peux jouer comme ça à l'arc si tu veux. Tiens, il est où là? Il est là. Il y a un mec là. Voilà. Allez, viens là, espèce de gros porc de merde là. Bien sûr que le piolet. Donc, on a vu qu'il y avait le petit bouton triangle pour faire l'exécution. Vous avez vu, c'est resté quoi? C'est même pas 0,3 secondes. Donc, voilà. Tu peux les. Voilà, il est ici là. Oh, ils vont te. Ouais, ouais, il m'a eu direct là. Essaye de, bien te, joué. Essaye de te poser et de fraguer. Je vais essayer là, de. Là, tu vois, ils sont tous les deux, ils rock sort. Ouais, ils vous mettent une saucée 7-5. Bon, ça va encore. C'est pas extraordinaire, mais bon, ça vous va. Pouvez. Allez, battre. J'ai mis l'édition de 5 minutes parce que je voulais pas en fait que ça s'éternise trop. Très anglais. Et ça m'a paru une bonne chose faire non, 5 minutes sûr, comme c'est ça. C'est surtout qu'on. Comment dire. C'est bon. Ah, il est là. Il est là. Attends, mais là, j'ai pas compris. D'accord, il faut le vendre avec R1 là. Je ne comprends pas. Tu sais pas faire ? Non, 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 j'avais pas compris ça. Mais c'est comme c'est pour R1. Non, parce que tout à l'heure, comme je tirais, ça tirait tout de suite avec l'arbalète, c'est pour ça là. Moi, je prends l'arbalète. Attends, je trappe l'arbalète. Le mec, je défonce. Il vous met double score là. Et viens ici, toi. La tempête de sable en approche. Oula, véritable tempête donc, de sable. Donc, tu peux là faire un atout. Toi, tu l'as pas là. Tes amis ne l'ont pas non plus activé. Pour voir à travers le sable. D'accord. La tempête de sable. Sur quoi j'ai tiré. T'as tiré sur le sol de la carte qui fait tomber la cloche en fait, c'est pour ça. D'accord. Ça rouge. Parce qu'il y a des éléments du décor que tu peux péter comme ça. Oula, il y a une véritable tempête là. Hop. Donc, ouf, je suis tombé sur. Là, tu peux mettre un piège ici, ou peut-être quelqu'un l'a déjà mis. Bah, tu peux l'activer, vas-y. Voilà. Vas-y, Tristan, flingue-le. Il est ici, vieux con. Ici. Il m'a un coup de piolet dans le baril électrique. Ici. Il est là le vieux. Ici le vieux. Ici le vieux Didou là. Oh putain. Laisse-le monter. Ah non, je sais pas, je suis en train de me faire un peu. Ah, Spider-Taff, il s'est joué au jeu. Ici, oh là là. T'humilie quoi. J'ai mis un coup, ça a mis à côté quoi. Spider-Taff qui comprend, j'ai une idée. C'est moi qui joue et du coup il veut se venger de son élimination sur le tournoi, je sais pas. Il s'est pris une branlée, le pauvre chaud quoi. J'ai pris une arbalète bizarre. Non, t'as pas le droit. Hein. Si, bah si, attends. Non, c'est uniquement à l'arc. Non, mais sérieux, je sais pas jouer à l'arc. Je m'en fous. Moi, je sais pas jouer à l'arc, moi. Alors, viens, j'ai pas le niveau de l'arc. Je l'ai pas. Il suffit de faire R1 pour bander l'arc, c'est pas compliqué. Je l'ai pas en méchant l'arc. Allez, hop. Viens là. Ça tire au jugé ou pas? Non, ça tire pas au jugé. Oh, ça tire pas au jugé? Ah non, ça tire pas au jugé, non. Non, ça tire pas au jugé. Moi, je cautionne pas du tout. Ah, malhonnêteté terrible là. Gino, vous l'insulterez en commentaire. Moi je. Ici le vieux. Je tolère pas ce genre de jeu, surtout qu'il pouvait très bien jouer à l'arc. Allez, dis ça, viens ici. Hop là. Oui, tu veux me mettre la branlée, ça sert à rien de toute façon. Voilà, il t'a mis la fessée avec son arc. Ah là, bon, je vais continuer alors, vas-y. Hop. Et donc, on a fait une troisième classe, mais. Ah non, c'est en gentil qu'on a une troisième classe, génial. Avec le nouveau visabon qu'on a débloqué, oui, on va vous montrer. Tu seras tout à l'heure juste oh, à. Oh putain, mon équipe, ils se font savage. Allez, il reste 30 secondes, vous perdez 7 points. Ils se font savage beast, notre équipe. Non, mais là, ils jouent bien parce que Spider-Tuff s'est entraîné. Yep, on voit que ça s'enflamme. Est-ce qu'il y a autre chose que les flèches enflammées? Bah, les flèches normales. Et y'a pas. Non, d'accord. Je pensais que j'aurais explosif. Y'a pas d'explosif. Bah, attends là. Presque. C'est pas compliqué pourtant. Moi, je suis nul en FPS, mais à l'arc, je rock sort quoi.
Toi t'es fort normalement et là tu fais de la merde. Bah sur console je sais pas viser et puis en plus tu prends trop de temps. Je me suis pas du tout entraîné à ce jeu donc Sinon c'est fini. T'aurais même pas fait un frag. Si, j'aurais fragué encore le premier à l'arbalète. Allez, manche 2, 19-10. Parce qu'on a mis 5 minutes en temps, c'est pour ça que c'est plus court que la session 1 parce que la session 1 on a fait quasiment 50 minutes alors qu'on voulait faire une demi-heure. C'est donc trop, là on va faire deux fois plus. C'est trop. Et donc j'ai fait 2-6. J'avais tué 2, tu vois. T'as tué 2 personnes. Et chaud, et j'ai fait mieux que sur Damien, tu vois. Tristan qui est très bon, niveau 27. Et c'est bon, l'excuse de l'arc a disparu, tu vois que tu vas pouvoir fraguer. Non, mais je reprends l'arc moi. Mais t'es pas faire. Je m'entraînais à l'arc. Là, j'ai eu quoi comme truc là? Harcèlement. Putain, fusil d'élite. Oh putain, fusil d'élite. Et emplacement d'équipement. Ah, donc peut-être. C'est une grenade, t'as vu là? Ah, c'est genre. Ouais, soit plus de munitions, soit une grenade en plus peut-être. Peut-être que tu peux avoir un équipement supplémentaire. Ouais. C'est-à-dire ouais. Un atout supplémentaire. Comme seigneur de guerre, en tout cas. Comme dans Code. Voilà, comme dans Call of Duty. C'est Code, c'est la référence. C'est la référence de la personnalisation. Ma gueule. Mais là, alors ce qui est dommage, c'est que la manche 2, en fait, ça fait la même map. Ça pourrait être marrant de faire les manches, tu changes de map. Non, aussi, en fait, quoi. Il tourne tout à 3 manches. Ouais, pour faire. Parce que comme il n'y a pas de carte, en fait, si tu veux pas tourner en rond au bout d'un quart d'heure, ouais, tu vas évidemment, mais map, tu vas faire 3 fois la carte, comme ça, tu oui. diras, ouais, vite, moi, la 3ème carte. C'est dommage quand même qu'il coûte 5 maps, bah, mais heureusement, il y a un bon DLC qui arrive. On va vite l'acheter, je suis trop content. Vite, ah 15 euros pour 3 cartes, s'il vous plaît. J'espère que c'est issue, très bien. Qui était déjà sur le Blu-ray, hein, qui était déjà sur Tomb Raider 1. 495 kilooctets les 3 cartes, pas cher. Oh, la clé quoi. C'est comme Electronic Arts pour Need for Speed hein, qui vont très ah, fort. Hein. Ah, regardez mon fusil là. Le 12. Bon, je pense pas qu'il soit efficace parce que là c'est une map assez éloignée. Avec l'arc, tu te mets ici et tu les spawn kill. Moi, c'est allez, tué, hop quoi. Là, de toute façon, là ça m'a pas donné l'arc donc c'est pas grave. On va essayer quand même de faire quelque chose. En plus, faut jouer quand même découvert la touche au rond donc ça c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, par rapport à moi. Voilà. Hop. Moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a des trucs exposés un peu partout. Vas-y, active le piège là, comme ça ils vont revenir, ils vont se faire doucher. Il y a un vieux comme moi là. Contrefaçon j'ai envie de dire. Oui, il y a des vieux comme moi, on a tous à la retraite, on est là, on est chaud. Allez. Vous avez vu ces vieux bruits immondes? Oh je l'ai eu. Vous savez, le bruit immonde de ce fusil ouais, à pompe, il est assez hideux. Toutes quoi. Les armes sont... Attends, c'est un vilain lui. Mais ça marche même pas. C'est chaud. Et il est où? Là. Là, il est à droite, là. Ah, j'avais bien précisé, première manche hein. Ah oui, non, on a dit première manche. Voilà, je suis peut-être un enculé. Mais après, s'ils veulent jouer à l'arc, ils ont droit hein. Ah, bien évidemment, parce que l'arc est une excellente arme, il faut moi, je joue qu'à l'arc, donc moi ça me pose pas de problème de jouer à l'arc, mais bon, c'est vrai qu'ils vont jouer, voilà. Je fais les guns moi. Je suis un codiste moi. Ça a cassé le plafond. Ouais, je suis tombé quoi dans le sol et le mec il fait wow shit, qu'est-ce qui t'arrive mec. Allez, vous gagnez 2-1 points grâce à tes super frag au fusil à pompe. Change de classe si tu on veux. On va continuer, j'ai repris. Et mais là, je ça, là ça vente, il est ici par contre là. Ouais, tu peux avoir des oh dire. Putain, chute. Des angines. Ah, t'as des véritables angines là, oui. Donc là, ça faut les péter avec le flingue, tu veux passer à travers ça là. Allez, on va les péter. Très bien mobilisé, voilà. Très très joli. Barbelé. Je sais pas là il y a un piège, faut que tu peux l'activer si ouais, tu c'est veux. Bon, il est pas activé. Il est pas activé. Ah, sinon, j'étais mort, je crois. Les statues nazies, toujours comme ça dans les jeux. Donc, c'est pas techniquement, c'est pas extraordinaire, c'est mais pas très beau, le multi moi je trouve qu'il y a un petit peu de détails, de richesse. Voilà, il y a un mec. Il y a un mec là. On y voit que dalle quoi. Et du coup, alors, quand il joue à l'arc, je joue au flingue. Et du coup, quand il joue au flingue, je joue à l'arc. Je vais reprendre cette arme parce qu'elle était pas mal celle-là. Okay. Mitraillette là, celle la deuxième classe. Ouais, là. Ouais. Allez, mon vieux, on y va cette fois. Y'a pas beaucoup de frags là. Non, il se passe rien là, c'est. C'est mou. C'est très mou tout ça. Mais ça, c'est parce que. Ça, c'est le recalé, c'est la session 2, ça. C'est, ouais, c'est les merdes là. Zoom avec R3, tu peux le flinguer là. Attends, là-bas, j'ai pas vu. Là, avec l'arc là, qui dort sûrement. Et le bruit me rebute tellement qu'il. C'est des pistes la vie. Pam, 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 pam. C'est les. Mais attention, c'est mes vieilles pétarades là de la guerre hein, du mec en fait. Hein. Et spawn et là tu vois, ils sont tous là, tu les flingues à l'arche. L'harcèlement, parce qu'on fait défoncer. Eh, d'où maintenant ils sont tous les trois ici, donc tu vois, ils sont bien là. Je vais mettre avec Tristan toi, prochainement. Mais ici là, juste sur le rebord, là, le edge de la porte là, et là tu vas avec l'arc, tu les flingues, tu vois. Oh là, je me défonce. Avec une vise, vous avez vu, c'est la modélisation de l'arme. C'est pire, on dirait de la playa. Regardez, c'est un beau vise. Et c'est quand même ultra moche en plus, cette vieille pétarade là. Il y a cet angle de vue où tu vois rien. Oh, l'idiot! Iron Sight au moins, quoi. Monte, change d'angle, voilà. Mais ça marche quand je tire en fait comme ça. Mais non, mais ça marche, mais on voit pas quoi. C'est sûr qu'on voit rien. Allez, on y va, mon vieux. Fais quelque chose de ta vie si tu veux ta retraite. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Une flèche, je pense. Ouais, j'ai pris une flèche là. Attention, il est juste au-dessus de toi, elle est là, tu vois. Allez, on y va. Il est là, il est descendu là. Il y en a plusieurs.
Tristan va te faire foutre. Non mais il one shot l'arc, c'est pour ça que je te dis moi je prends que l'arc parce que le mec il a le temps qu'il vise. Moi avec l'arc je lui mets une flèche, tu vois, il est mort, c'est bon, tout parle. Mais le problème c'est que j'arrive pas parce que s'il se décale en fait j'arrive pas à l'attraper. Oui mais anticipe. Faudrait que j'essaie de m'entraîner un petit peu. Tu restes ici là, tu les fais. C'est dommage, ouais, ça nous fout sur ce toit là. Viens mec, viens OM. Tu vois, tu l'as flingué là. Je l'ai flingué le mec quoi. Tu l'as pas flingué, tu l'as écouté avec. Harponné quoi. Il est à tout en droit, tout le temps sur la plateforme. Là, bon. Là y'a un mec là. Y'a un mec là. Viens là, toi, espèce de fumier. C'est bon, il est plus là. Surtout, il est derrière toi, il était en train de flinguer. Chaud. Oh, là, ça tire. C'est gentil ça. C'est papy. C'est un vieux comme moi là. Mais ce carte elle est marrante, mais elle est vraiment trop petite. C'est bordélique comme ça. Allez hop, ici. Et c'était elle du coup là, qu'on a vu le gameplay là. Ouais, un petit peu, ouais, je trouve que c'était elle. Oh putain, le vieux. Oh le vieux, il voulait sauter là. Il y a des pièges et tout ça là. Ouais. Ah, je sais plus. C'est qu'on a vu une carte. Mais c'est pas elle, on dirait. Si c'était là. On a vu une petite vidéo de gameplay, ouais. Ouais, mais t'as pas attendu à fond. Mais pourquoi t'attends pas? Mais j'y étais pourtant à fond là, presque. Attention, ils viennent. Ils viennent de l'autre côté. C'est normal. Ils viennent de l'autre côté, IOM. Je vais réessayer le fusil à bombe. Le multi il peut t'occuper quelques temps. Voilà, là, par rapport à ma vidéo tout à l'heure où moi j'avais plus de 15 heures de jeu au multi, là Gino il touche pas les bords parce qu'il a joué même pas un quart d'heure au solo. Donc bah multi, oui, donc j'ai pas joué, donc c'est pour ça. Mais si tu joues un petit peu, tu t'amuses. Là tout à l'heure, moi je me suis bien amusé en tout cas. Je les viole sur Radar Orchestra, ils tiennent quand ils veulent quoi. Faut qu'ils aient quelque chose. Voilà, perdu, vous avez pris 2-0. Toi tu changes de carte et de mode. Change d'équipe aussi. Bah, c'est que tu vas faire réinvitation donc. Ouais, non, mais ils vont se remettre ensemble là, Tristan là et Spider-Toff. Hein, Viva OM aussi qui a pas mal joué. Et j'ai pas été le plus mauvais donc c'est dommage pour Dadou quand même. Hein. Et so Dada qui finit premier. Allez, on va. Et Neox quand même chaud, les anciens ils se font latter les couilles un peu. Hein. Neox dernier quoi. Non, mais il est niveau 3 je crois. Mais non, mais c'est pas grave, c'est les mecs qui touchent sur Uncharted là, ils voilà quoi. Ah, mais dès qu'on a pas un petit peu l'entraînement, faut que je me remette à sur Battlefield pour la semaine prochaine un petit peu parce que là. Tu vas te faire violer. Il y aura du niveau sinon. Bon, la dernière fois je les avais violés sec hein, sur Aftermath, je me rappelle. Et là, il y a combien de nouvelles cartes là dans le game là? Ah, 3, 4, pareil, je crois. Oui, c'est quoi le thème de ce dernier DLC? De la vitesse, des motocross et du Capture the Flag, voilà. Allez, crée une partie. Il y a un truc vachement bien quand même, c'est que je pense qu'on. Non, pas ça. Appel à l'aide ou sauvetage? Sauvetage, alors c'est pas mal ça. Ce qu'on avait fait d'assaut. Ouais. Et on va le faire au sanctuaire qu'on a baffé. Voilà. Il y a un truc pas mal normalement, c'est que. Je sais plus, mais enfin, on verra ça. Je sais plus du tout ce que je voulais dire. Allez, on va les inviter. Il y avait Dadou. Le Dadou là, alors hop, on va essayer de réinviter tout ça. Non, t'as cliqué Dadou là? J'ai cliqué Dadou. Ensuite, allez, charge, vas-y. Nixus, voilà. Sodamien, Spider-Toff, Tristan et Neox. Voilà, c'est voilà. Voilà, bon. C'est bon. Et voilà, les maps de ce endgame, normalement, il y a. Regarde les options de jeu. Elles sont par rapport aux anciens Battlefield, donc il y en a une dans la neige un peu comme Bad Company 2, donc elle était vraiment jolie, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle donne un petit peu. Et donc voilà, ceux qui l'ont déjà sur Play 3, bah, dites-nous si vous en pensez, si vous trouvez déjà intéressant ou pas. Bon, à mon avis, le meilleur ça resterait quand même Armored Kill, quand même, c'était un DLC de fou celui-là, c'était le véritable des maps de fou, c'était voilà, le vrai Battlefield, le retour du vrai Battlefield, hein, Close Quarters qui était vraiment pas très intéressant. Aftermath, qu'ils disent encore qu'il y avait des temps mentaires, c'est faux. Ouais, en ligne il n'y en a pas, ouais, c'est faux. Il y a une map qui en a et ça fait tremblement de terre. Voilà, donc il n'y avait rien du tout. On nous a un peu vendu du rêve. Oh, je suis avec Tristan, c'est bien. Moi ce que j'aime bien, ce que j'attends. Alors, il manque un là. J'attends juste une chose de la part de EA et parce que cette année ils font de la merde absolue avec tous leurs jeux et leur campagne marketing, que ce soit sur YouTube ou sur les journalistes. Je trouve ça un scandale. Merde, Tristan est en face. Et moi ce que j'attends c'est juste une annonce là pour le 3, juste que DICE ils font bon écouter les gars, nous on a un jeu pour vous, ça s'appelle Battlefield Bad Company 3. Mais non, malheureusement c'est le 4. Sur PlayStation 4 et dommage. Là je serai content. Apparemment ils vont partir sur le trip de Battlefield 4. Mais c'est dommage, pour faire c'est de la meilleur, merde Bad Company, de la suite de cette merde de Battlefield 3, donc ouais. Je sais pas. C'est dommage parce que tant pis, je resterai sur mon Battlefield Bad Company 2 et je continuerai sur à console, fraguer. Qui reste meilleur sur console. Mais même sur PC, je pense que si t'as des potes, tu peux quand même encore jouer quoi. Ah mais largement que ça joue à fond, mais je veux dire parce que les serveurs, moi quand j'étais à Montréal, ils étaient quand même mais j'y rejoue parfois Bad Company 2 sur PC parce que c'est tellement excellent quoi. J'adhère pas au gameplay du 3 donc Sur PC c'est sûr que ça déchire, ouais, mais
Bad Company, je trouve que c'était un style et le 1 et le 2, c'est vraiment des jeux vraiment, vraiment, vraiment excellents. Et donc, c'est vraiment les meilleurs FPS multi. En plus, moi, ce que j'ai peur, c'est que comme Electronic Arts s'est cassé les dents sur Medal of Honor. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont rester sur Battlefield. J'ai peur qu'ils abandonnent Bad Company 2. C'est genre Bad Company, quoi. Alors que DICE, ils peuvent le faire et peut-être que. Non, mais normalement, c'est fini. Il y a une communauté, donc. Ouais, mais. Non, refaire une autre série de spin-off un petit peu là. Seulement, c'est une spin-off console, donc c'était voilà. Battlefield 3, ça n'a rien à voir avec Bad Company, donc moi. C'est normal. Et je sais qu'il y a des mecs comme Anthony Zé, comme moi, tu vois, qui sont à fond sur Bad Company et qu'on n'a rien à foutre de Battlefield 3, tu vois. Donc, il faudrait qu'ils se disent, bon les gars, d'accord, on va vous faire plaisir, on va vous faire des jeux, quoi. Parce que pour l'instant, ils font pas trop plaisir aux joueurs, quoi. Donc, ils font des jeux, c'est un peu de la boucherie, de la merde. Connexion éliminée obligatoire, tout ça, t'as vu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là? On est les méchants, du coup, on doit les tuer. Vas-y, prends le. Déjà, je vais m'occuper de prendre les caisses. C'est déjà, hein, voilà. Parce que, juste pour faire la classe de Gino, j'ai gaspillé 6000 crédits. Ouais. Et là, on voit que t'en as plus que 100. Alors, donc, c'est leur zone. Et en bas, tu vois, c'est là. Donc, ils l'ont là. Vite, fais quelque chose, ils vont rapporter au bled là. Vite, le bled, vite. Plus haut, mais beaucoup plus haut. Ouais, j'ai pensé que ça rentrait. Mais non, c'est quoi, ouais. Ils ont marqué. Ils ont pas marqué. Et ils ont marqué. Voilà. Viens là, vieux! Ça marche pas, tu peux faire tout ce que tu veux, t'y arriveras jamais. Tant, j'ai dû fraguer un mec une fois avec 30, je me suis trompé. En plus, c'est même pas ce là. Ah, c'est bleu, c'est bleu. Attends. Ah, ça marche là, ouais, du sang trop dark à la Red Dead. Vite, t'en as besoin là, d'argent. Tu spawn kill, tu restes là, il se rembourse. Là, je me casse. Il spawn ici, donc t'as grâce qu'à rester là, tu les spawn kill. Allez, hop là, attention. Qui c'est qui veut mon arc là? Va là-bas, va où. Y'a un mec qui a déjà le. Y'a des mecs là. Il va le ramener Tristan. Et voilà, 2 points sur 5 déjà. Putain, mais y'a un truc là, c'est ça là, voilà. Tais-toi le vieux là. Tristan et Spider-Toff ils t'ont mis la misère hein, pour l'instant. Mais je suis le seul à être chez eux donc faudrait que les gens viennent là un petit peu là. Ils ont déjà marqué 2 fois, il faut marquer 5 fois, ça va très vite aussi. Ah mais elle est morte cette map, elle joue. Non, moi là, je l'ai mis en, moi c'est ma deuxième préférée. Alors, la première c'était mon Master. Il y en a 5, c'est bien. Voilà, hein, c'est pas compliqué. Hein, un petit classement rapide. Là t'as failé, donc t'es mort. Voilà. Oh, non, le jeu le mort plaque pas. T'as fait quoi. Il a les pieds secs. Allez. Défends bien, elle est où la trousse de soins là. Ils sont où les mecs là. Ouais bah vas-y. Allez on y va, hop. Là s'il fait attraper par le piège, tue-le, finis-le. Je crois que je l'ai libéré mais c'est bon. Va finir au sol. Hop là, va te tuer. Vas-y, rush middle. Voilà. Gino prend la tête du championnat. Du jeu là, carrément là, magnifique. Un petit select là pour le lol. Attends. Y a un mec à côté. Ah dommage, ouais. Dommage pour le lol. Voilà, là je suis 3ème parce qu'il y a quand même Tristan et Nexus en face. T'as mis 3 à terre et t'en as tué 2. Et les mecs ils jouent pas avec moi là, Viva OM tout ça là. Sous Damien Dadou, les mecs ils savent pas qu'on joue. 150 points quoi. Alors on joue à Tomb Raider les gars. Voilà, c'est juste pour vous dire, vous pouvez jouer. Donc Dadou se fait violer. Regardez, Dadou s'est fait violer par les 3 rouges. Oula, tire beaucoup plus haut, je pense. Hein. Oh, regarde, ça a bien brûlé là. Allez, à terre, ils sont à terre là. Ils sont tous les trois là, tu vas mourir, tu vas. Ils se revivent, c'est con. Ils sont à terre, vas-y, flingue-les. Allez, 1. Il y a qui va se faire. Ils vont me flinguer. Ils vont me flinguer. Mais c'est pas grave, faut les tuer, voilà. C'est bien. Allez, 3 sur 5. Vous en tuez 20, donc vous en avez tué 8. Et eux, ils ont déjà fait 3 captures de 3. On est presque à la moitié, et eux, ils ont dépassé la moitié. Allez. On est bien là, 8 sur 20, 3 sur 5. Comme c'est que 5 minutes de jeu, ça va être encore plus par. C'est bien, c'est hardcore comme ça, c'est bien. Parce que je voulais pas qu'on fasse des trucs trop longs non plus. Non, c'est juste pour qu'on puisse montrer. La première c'était la vitrine du multi, la deuxième c'est juste pour vous faire plaisir. C'est le caca pour les autres là. Ils sont où? Ils sont pas là, donc ça gaspille ta grenade. Dadou est au bled, donc c'est bon, attends. C'est trop suspect là. Ils sont là-bas, ils sont à la trousse de sang, regarde, tu vois les curseurs rouges là. Il y a un porteur là. Là? Là, ouais. Ah oui, j'ai compris. Allez, on y va, on va en ce. Elle est morte donc elle a respawn. Elle a respawn. Donc garde, essaye de la protéger. Elle est ici là. Elle est là, ouais. En bas. En dessous là. Elle est en dessous. Saute. Allez, on y va. Hop là. Oh, mais nickel. Oh là, c'est beau, c'est ça. Oh, c'est bien joué. Hop, c'est bien joué là. Finis-le. Hop, c'est bien joué là. Oh, oui, c'est là, c'est parti. Par derrière là. Là, c'est parti. Là, le Spider-Toff s'est fait rape. Vas-y, nique ce. Non, il m'a volé, putain. Non, t'es fait toucher par Yom. Voilà, tu le finis, vas-y. Finis ici là. Espèce de chacal là. Oh là, terrible quoi, le mec. Enfin, Nexus, comment il a pu te tuer là? L'autre là. Ah, sa grenade de salope. La classe du PD là. Ah ouais. Je voulais la mettre là. Allez, je l'ai avec lui, je l'ai avec l'arbalète. Donc, tu me l'as mise exprès parce que c'est ma classe. Ah, j'ai eu des classes de salope donc j'ai fait des belles classes. La classe martyr et tout quoi, c'est ça qu'on veut. Bon, alors ils sont où là? Là. Ils sont là. On spawn. Next. Ouais, ça va être difficile. Déjà, ils se passent sur l'arbre en fait. Tu vises entre les arbres.
Ouais, peut-être, non. Mais non. Lui, il avait la grenade et toi, t'avais la force de l'incendie. Ouais. On a pas de grenade sinon par défaut. En méchant, non. Ah, c'est bizarre, toi. Non, non, mais ouais, c'est pour ça que t'as des flashs d'armes. Ouais, je vais essayer, j'ai des articles aussi, je vais l'essayer là. Le Magnum. Voilà, on va l'essayer. Pour montrer les armes un peu qu'on vient d'acheter. Elle est 14-20, vous pouvez. Oh, mais il reste 3 secondes. Là, pour l'instant, 14-20, on est devant, non, je pense. Ah, mais non, c'est marqué, il y a la jauge, on gagne. Vous gagnez. Ouais. Ils estiment que 14-20, c'est mieux. Tant que vous avez gagné. Pour l'instant. Ah, hein. Mais c'est fini là. Ah, mais c'est fini. Il n'y a plus le temps donc. D'accord, c'est fini. Parfait. J'ai été agressif comme il fallait. Allez, deuxième manche, on va essayer encore de les gagner. Et puis après, comme ça, soit je pense que ça suffira. Ou alors une mêlée générale, on verra ce qu'on fera. Parfois une mêlée générale pour le fun. Une mêlée générale pour le fun. Un vivant, mais c'est pour ça que je suis avec lui. Tu vois tous les trucs que t'as débloqué, que t'as eu là. Ouais. Et on a gagné 1000 crédits ou. Non, j'ai gagné 496. D'accord. Des matériaux, des petits écrous. J'ai quand même 344 000 XP déjà alors qu'on commence à zéro. Chaud quand même. Mec, putain, c'est un dosé. Hein. J'ai dosé le jeu. Toute la nuque. Hein. Je m'en suis pas. 340 000, c'est quand même beaucoup. Mais ouais, non, mais c'est avec tous ces prouesses là, ça fait plein de points d'un coup là. Ça, j'avais pas double XP et tout ça, j'avais rien de bon. Non, on a rien. Mais je sais pas si on a eu les DLC là qu'on a. Si, je les ai, mais c'est pour solo. Faut les actifs, faut les voir. Bon, on verra ça alors. Il y a un silencieux. Ah, si c'est des trous, c'est comme ça, ok, d'accord. Je crois que ça des jerrycans en fait, c'est des valises. C'est des valises, ça, franchement, voilà quoi. Il écrit quoi, médical. Pierre, sûrement non. Excuse-moi, tu veux lire. On dirait un chiffre. Pas lire, de toute façon. Ah, on peut la lancer. Ah, mais voilà, on peut la lancer. Je disais qu'on pouvait pas la lancer. Mais voilà, putain, ça c'est bon ça. Mais on peut mettre des coups de mec, comme de reliques là, avec. T'as chaud quand tu vois, rond pour courir. Ah ouais, chaud quand tu mets des coups de reliques, tu le tues le mec dans Uncharted là, c'est énorme. C'est comme quand tu mets des coups de peinte d'Assassin's Creed, ça, en humiliation. Ouais, là, ouais. T'es à coup de à la brasserie de New York. Et boum. Mais qu'est-ce qu'il fait le jeu, c'est on dirait MTAVC. Ce jeu, ça a été fait par des mecs en fait, quoi. C'est des amateurs, quoi. C'est chaud le jeu, quand même. Vas-y, essaye de capture. Allez, on va passer par le pont de sang. Moi, je suis le vieux là. Je suis le vieux Yu, viens ici, toi. Ici. Hop là. Ils t'attendent. Ah, mais j'espère bien qu'ils m'attendent. Ils sont déjà là. Allez, sorti. Ces bruits vraiment immondes et désagréables, même. On dirait Mag. On dirait que ça me rappelle Mag, quoi. Oh, j'ai plus de balles. Finis-le, quoi. Finis-le. Ah, je suis pas mort. Putain, mais non, c'est vrai. Pour ça. C'est vrai que je meurs pas, moi. Et du coup, il est dégoûté parce que tu vas le flinguer, regarde. C'est qui me revive là. Ils vont se revive, continue à les charger, continue à les charger, ils vont se revive. Au bout d'un moment, il y a un mec qui va se revive. Bah pour l'instant, mes trois potes sont morts donc. Bah Dadou là. Là, il va te finir, moi, tout simplement. Là, il va te finir. Il va pas se faire tout le jeu, il va te finir. Ouais. Voilà, bah je l'ai quand même. Oh je l'ai blessé, je pensais que je l'avais tué, non, je l'ai blessé quand même. Attends, on était trois à terre donc du coup, on pouvait pas tous se revive en fait. Chacun attendait que les mecs viennent se revive. Allez, prends la trousse de soins. Voilà, ils ont que tué 2 personnes, t'as vu, sur tout le lot, ils en ont tué que 2 pour l'instant. C'est déjà pas mal, 2 sur 4. Hein. Non, enfin, sur 20, c'est pas beaucoup. Non, mais genre sur 4 qu'on y était allé en action. Nous, faudrait qu'on commence déjà à en ramener alors. Hein. Allez, on y va. La grenade, là, ils défendent bien. Ils sont tous là, vous êtes morts. Et là, on tue 4, c'est parti. Hop là. Ouais, mais beaucoup plus haut, mais j'arrête pas de lever. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit la vie de l'adversaire. Vas-y, flingue-le là. Voilà. Allez, tu défends la zone. Defense, allez, on va la choper là. Allez, vas-y, viva OM. Tu prends et tu te barres avec Zespider Duff là. Tu le calibres. Allez, t'occupes pas de lui là. Ah, tu m'arraches la gueule, Neox. Il est arrivé par le dessus, par le haut. Allez, peut-être qu'on peut faire quelque chose là. Je vais prendre celle-là. Ouais, je pense qu'il faut me prendre un fusil d'assaut là. Ouais, et je crois que la grenade est de meilleure qualité. Normalement, c'est toujours l'incendiaire pour les méchants. Pour les gentils plutôt. Allez. Ah, j'aurais dû faire à côté, je suis bête. Allez, hop, 5 sur 20 maintenant, faudrait qu'on commence à marquer là quand même, les gars. Après, mais ils font une bonne défense. Je m'interroge, je me demande si. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse cette question. Je me demande si ce multi, s'il serait arrivé avant Uncharted. S'il était, ouais. S'il était arrivé avant Uncharted, est-ce qu'il aurait eu une meilleure réception au niveau de la communauté que Uncharted là. Ah, pas courir avec, merde. Tu vois, ce que. Moi, Allez, je trouve que le multi n'est pas dégueulasse, tu vois, en soi. Oh les FIFA. Donc je me demande oh, le vieux il ramène son casse-croûte. Allez le vieux. Allez les gars, on fait du voilà. Et c'est Saint-Bernard. Il est méchant. Là tout de suite, là il est méchant. Il t'a bien défoncé. Il m'a bien défoncé. Mais ça sert à rien, mec, parce que moi on me revive direct. On me met des trucs là. Ouais, tout à fait. Il est très bien ce mode hein. Il est très bien ce mode. Moi j'aime bien ce mode. J'aime beaucoup ce mode. Quand t'associes MME Only Art et ce mode là avec Gun Game, je trouve que c'est pas mal. À gauche il y a des mecs. Il y a un mec à droite aussi là. Oh là 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 là. À droite. Là, va le soigner sinon. Va le réparer, va le soigner. Tu lui mets des coups, tout ça. Et ça je répare. Répare, allez. Répare-le, vas-y, je te répare. J'arrête pas de réparer là. Voilà. Là. Allez, vite, c'est bon. Même... Là, hop là. Prends le loot.
On dirait une tondeuse, c'est que c'est la première guerre mondiale, les gars. Les pétards, les fusils semi-automatiques. Et je te dis, ça rappelle les armes du vieux, quoi. Ça rappelle aussi les armes dans les policiers, les petits policiers de South Park. Mais oui, c'est immonde. Mais les bruits sont vraiment immondes. C'est vraiment ignoble. Non, mais on surtout dirait ce fusil à pompe qui est censé quand même être un fusil à pompe et j'ai l'impression qu'il tire comme un petit pistolet. Allez vas-y. Allez. C'est bien parce que tu vois quand t'as la trousse de soin, tu vois tes ennemis. Ouais. Et ça je trouve ça c'est super bien. Bon vas-y continue. Là à mon avis je vais la jeter après. Tu peux aller la ouais, non, pas la, de la capture. Le vieux. Et le vieux il savait voler les trucs aux Allemands. Regardez. Je serai toi, je ferai péter le bidon là. Pour pas être gêné plus tard. Pas plus vrai mais vas-y. C'est bon. Allez. Parce que sinon si le mec il s'en fourbe. On va pas tirer au jugé, non, ça c'est défaut nul. Ça, défaut, grand défaut. Elle soigne le. Arson, y'a là. Oh putain, attention, on tire partout. Tiens, sauf sur le mec. Flingue, ah, n'oublie pas que au sol, tu flingues là. Et tu fais des bons frags là. Donc en plus, moi j'ai mis le Colt 45 qui fait un triple coup, donc là c'est pas mal. Ça, c'est et une sucette là. Ah là. Ah non, on revive, ok. Sors. Voilà, c'est boucherie là. C'est une... Parce que là, en fait, la carte est tellement petite, il y a juste le petit pont là. Viens pas me tuer, connard. Et c'est boucherie style. Allez, merci de m'en sauver. Dadou qui a la caisse de soin. Allez, Dadou, on va faire un petit. Attention, oh le PD. Neox, Neox le PD. Allez, va se finir Spider Toff aussi. J'ai plus de gun, j'ai plus rien en fait, j'ai plus d'armes. Ah, putain, c'est vrai, t'es fini. 2 sur 5. Putain, on aurait pu faire 3. J'ai fait les 2, hein, on rappelle que j'ai fait les 2. Il reste 15 secondes parce que j'ai fini 5 minutes, donc vous êtes perdu là. Ouais, à 10 minutes, ça passait, je pense. Ouais, 10 minutes, ça passait, ouais. Mais moi, je voulais de la true rapidité, tu vois là. Dommage parce que. On a marqué. Bon, ça, on a marqué. Non, vous avez pas marqué. Les Solari ont marqué. Les Solari, c'est les méchants. Mais en fait, quand ils ont marqué, c'est là qu'ils ont fait. Ah, ok, d'accord. Il faut la récupérer là, non. Elle était pas juste là en plus. Ah, dommage, on a perdu. Dommage, on a perdu parce qu'on mettait une troisième fois. Bon, on aurait perdu aussi parce que toi t'avais gagné avec 14. Donc, avec 14, voilà. Est-ce que tu veux refaire la belle? Ah, ben bien sûr. Ouais. Ah, je pensais qu'on avait perdu donc on a gagné. Bon, on rattaque alors. Hein. On va redéfendre plutôt. La défense est plus facile que l'attaque, j'ai l'impression. Ouais. Allez, on fera ça en dernière du coup. Hein. Ça fera office de truc. Je sais pas si on fera une mêlée générale. Je vais voir. Parce que je pense que là, ce sera peut-être conclusion épique de cette partie. Comme ça, on aura montré toutes les maps et tous les modes aussi. On verra peut-être un petit mêlée général de 5 minutes alors à la fin. Un petit mêlée général. Pour, voilà, comme ça on aura bien plié tout ce qu'on voulait sur ce jeu. Bon, c'est quand même pas si mal. Hein. Après, vous savez, il faut s'entraîner. Mais bon, le problème c'est que. Ce mode-là est plaisant, mais ça pisse pas loin quoi. Tu joues une après-midi quoi. Ça t'occupe, mais c'est pas le but du jeu vidéo à mon avis. Non. C'est pas. Le solo, ouais. Les jeux. Voilà. Ouais, je passais pas mon après-midi dessus quoi. Je préfère aller travailler, tu vois. Même ça quoi. Tu te dis, bon, c'est bon quoi. Maintenant, je vais arrêter de faire que ça. Je vais lancer autre chose quoi. Tu vois, c'est voilà. Mais moi, je me suis plus amusé quand même là, ce week-end là, avec Tomb Raider Multi. Que pour Far Cry 3 en multi quoi. Ah oui, clairement. Parce que Far Cry 3 j'ai trouvé ignoble. Hein. C'était vraiment de la merde. Hein. Autant le solo, on va vous faire le test très prochainement, ça peut aller quoi. Mais voilà, du bon, du moins bon. Là, c'était. Il y a des armes ultra puissantes, tu vois. Il y a le super arc et la super Gatling, mais il faut les trouver à son cachet. C'est quoi ce que j'ai dans le dos là, C'est ta fusil d'assaut. J'ai un nouveau truc ou quoi? Ouais, t'as une nouvelle arme. Ça tire comme l'autre arme. D'accord. Elles ont le même bruit, c'est marrant ça. Ouais, chute là, j'ai fait ronter pendant la chute. Allez, on peut sprinter là, attention. Alors, faudrait qu'on essaie de bien la défendre en fait. Faut défendre. Alors, tu sais bien que la caisse de soins elle spawn au même endroit. Donc, ouais, donc là, ils sont déjà partis. Je vais prendre un revers justement. Là, tu vois un petit peu ce que c'est le revers de la médaille. Voilà. Ils sont déjà pas là. Y'a plus personne, elle est déjà là-bas en fait. Ils l'ont déjà ramené au bled. Beaucoup plus haut. C'est au bord là. Bah ouais, pour ça qu'on va encore plus haut. Bah il va ramener Spider Top, il a marqué un point. Non, j'ai fait péter, ils mais ont ça a pas suffi. Attends, mais les mecs sont pas marrants, ils ont déjà commencé à faire les. Non, mais là, ils jouent, tu sais, ils sont pas là pour rigoler. Ouais, hein. Mais ils parlent pas, c'est pour ça aussi là. Oh putain, mais j'aime pas du tout celle-là. Ah, mais c'est parce qu'on a une souris R4, c'est pour ça que tu vas nous bloquer une 4ème classe. Ah, on a bloqué, c'est pour ça aussi. C'est pour ça, parce qu'elle est pas du tout bien celle-là, elle est pas bien du tout. Hein. Allez, tu l'es. Il est fini là. Chaud. Chaud. Mais Vivarium est arrivé trop tard. Ils sont morts, c'est des bâtards en fait. Et du coup on marque pas de points, tu vois. Mais c'est n'importe quoi, ils sont morts. Mais t'as vraiment tout sacrifié. Non, mais c'est tactique le jeu. C'est de la merde, genre t'es au sol, ça compte une mort, c'est fini quoi. Alors que je t'ai dit, le mode veut que tu fasses des assassinats. Ouais, mais je trouve ça n'importe quoi. C'est un peu comme les kills confirmed, tu vois, genre quand tu frappes sur Call of Duty. Mais tu tiens, c'est fou, tu prends les plaques. Ça compte quand même. À droite, il y a le vieux, ils y sont nombreux là. Tu peux peut-être mettre une grenade. Attention. Oh là là, Neox est sacrifié. C'est pas mort. Si, je crois que tu es mort. Hein. Il faut aller l'achever le Neox là. Ils ont 1 sur 5. Allez. Ils vont la ramener, regardez.
Hop là, vite un ami là. Ils vont la rame 2, ça ils ont marqué. Allez, 2. Ça va très vite. Ah, ça va très vite. Ils sont très vite. Je sais pas si c'est Speedator qui a encore marqué, mais ils sont très organisés. Regardez comment ils sont organisés, comment ils vous mettent la saucée là. Ouais, là, ils jouent vachement bien là. Ils jouent vachement bien les mecs là. Ils jouent team play là. C'est une team en fait qu'on est en face. Clairement. Moi j'ai des kikou avec moi là. C'est qui m'a fait les équipes là. Mais c'est pas moi. Hein. Hop. Mais ils sont mis avec moi, ils se sont agglomérés avec moi exprès. Allez, on y va les gars, on accélère là. On s'y met. Vous avez tué un quand même, tu mets une chou quand même. Comme ils restent bien en groupe, ça empêche qu'on les exécute. Puis comme ils suicident en trop, ils font du méga la saloperie là, voilà. Opportunité. Voilà, là on a fait une boucherie là, tiens, un coup là. Allez, là, et le vieux. Allez. Espèce de vieux con là. Il est au sol hein. Putain, il m'a tué. Vite, saute dessus. Voilà, ça qu'on veut. Allez, regarde, 5 points là. Allez, c'est bien, vous remontez un petit peu, allez. Faudrait activer le piège ici là pour voir. Active le piège. Voilà, il m'a écouté, il active bien, le piège. Bien. Alors, il a trouvé la Gatling chez nous. Je sais pas si c'est Soso Damien qui avec VAOM. Il a la Gatling, hein, donc assez sympa. Voilà, c'est bon. Allez, ça prends la revers toi. Nique les. Allez, hop là, on va les niquer. Je vais dans l'enfer du jeu là. Je sais pas où c'est le jeu. On va y aller ici. Il reste 2 minutes ou vous perdez. J'aurais dû mettre un piège mince. Allez. Ah, des crédits quand même, c'est important dans la vie. Allez, les points Mister Go, 2 minutes les FIFA, là. Crédit point, tout ça là, la vraie argent. Et un mec là, attends-le. Où ça sur, là-haut. Là où ils sont 4 ou 5 là. Ils sont tout le temps ensemble les gars. Ah mais oui, mais ils ont compris, ils ont bien compris le jeu là. Allez, on y va les Putain, comment ils se font doucher tes potes là. Allez, au sol. Putain, t'es toi, vieux con. Fini, lui. Ah, ça là, je vais là par contre, ça l'a directement tué. Ah, ça l'a directement tué. Ça l'a directement tué. Ils sont au sol, mais ils vont vous flinguer. Ce qu'il faut faire, non, c'est non, que. Non, c'est temps. Nox c'est vivant. Nexus, il va te tuer là. Il est par terre, Nexus, il va te tuer. Ouais, mais là, je peux rien faire en fait. Parce que je voulais achever l'autre, mais il va marquer. Nexus va popper. Non, Nox vient de la jeter. Il est bien placé. Allez, 7 sur 20. Allez, priorité sur Nox, il va marquer. Allez, il va marquer là. Dommage parce que là, ils ont marqué. Ouais, 3 sur 5, ça va commencer à être chaud maintenant au niveau du score. À mon avis, c'est perdu. Surtout dans la minute qui reste là, pour faudrait en tuer. Comme quoi, tu vois, je pensais que la défense était beaucoup plus facile que l'attaque. Et là, ils sont très groupés. Et nous aussi, on devrait être bien groupés. Là, ils sont tout ensemble. Ils sont tous les 4 sur le pont là. À chaque fois, ils sont en haut là. Ça va peut-être foutre le feu au pont, je sais pas. Allez, hop, ils se font piège de merde. Ils me courent dessus. Ouais, putain, je crois que je l'avais tué au moment où il allait me toucher, mais non. Personne. Bon, Peter Top se fait relever. Heavy OM, vas-y. Défoncez là. Là, on voit que les gens ne jouent plus à l'arc hein, cette fois. C'est définitif là. Allez, 20 secondes. Allez, 20 secondes. Hop. Allez, on a marqué 8 sur 20, 4 sur 5. Ils vont bien devant. Pour l'instant, ils l'ont pas donc. Mais bon, 10 secondes, c'est perdu. Ouais, c'est perdu. Ouais. Tu peux même péter toi les petites lanternes et tout. Tu vois, ça fout le feu en fait. Ça joue vachement sur le feu ce jeu là, j'ai remarqué. Allez, c'est même pas marrant. Il doit avoir des LC peut-être, il doit avoir des packs de trucs commandes. Non, mais si, il y a des. On sait que maintenant les jeux, ils font plus des statues. Ah putain, alors je vous montre ce que ça fait. Tu fais humilier. C'est pour vous montrer ce que ça fait un petit peu. C'est pour vous montrer un peu ce que ça fait, un piège. Voilà, ça fait ça, on peut plus bouger. Donc on est pendu. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va arrêter le massacre de jeu. Allez, ça suffit. On va soulager le pauvre, il n'en peut plus. Ça a rien. Donc voilà, c'était la Outlet 18 de cette saison. Mais je suis pas le plus mauvais en plus. Ouais, mais t'avais des plots. Ouais, je suis une catastrophe quoi. Il y a 50 points sur Damien quoi. Il a 4 pièces et 50 points quoi. Il a fait le tour du village. Oh là là. Donc on vous remercie tous d'avoir participé à cette weekly sur Tomb Raider. C'était la première, c'était la dernière, il n'en voilà, a plus jamais. Évidemment. On va vite faire le solo, s'amuser, profiter de ce bon jeu. C'est vrai que la première alors là, c'est très intéressant, bien motivé. Bien plus. Donc on va essayer de vous faire le test aussi très rapidement. On va te préparer tout ça, il y a plein de vidéos à préparer donc c'est prévu. Voilà. Allez, on vous remercie. Rendez-vous la semaine prochaine pour Battlefield 3 PC Endgame. Voilà. Le dernier DLC qui sera disponible mercredi 12 normalement. Oui, donc il faut avoir premium hein, sur PC en plus. Non, je pense que ceux qui l'ont quasiment l'ont tout le temps premium. Et donc voilà, on se retrouve sur Endgame. Voilà, merci, au revoir. Au revoir.